9-675. Olga Telsenko, on l'a déjà vu au championnat d'Europe, a entré avec salto avant. Elle est excellente, cette petite Ukrainienne. Sûrement meilleure que Olga Rashchukina qui vient de passer. Elle démontre qu'elle peut jouer aussi sur certaines expressions corporelles. Une succession de sauts avec une belle élévation. Voilà, la grande difficulté est là. Salto avant, bien réceptionné. C'est étonnant que les gymnastes n'aient pas adopté le TESA. Parce que c'est un élément extrêmement risqué, extrêmement difficile. Et bien rattrapé. Oui, mais là, il y a une pénalité qui va l'empêcher de monter aussi haut que Lin Ji, la chinoise, qui a débuté le concours avec une excellente note. Et double arrière. Telsenko n'ira pas au-delà de 9,50. Et dans cette finale, eh bien, il faut attendre le passage de trois concurrentes. La roumaine Maria Olaru, la championne du monde du concours général. La deuxième chinoise Fang Xiaodong. Et surtout